Haïti, qui bon campé? C'est une émission qui paraît sur planète FM 97.7, sorti lundi pour arriver vendredi 8h-9h du matin. Haïti, qui bon campé? Dans l'émission Haïti, qui bon campé, chaque acteur, quel dans le gouvernement, opposition ou bien dans la société civile là, vient de pouvoir parler. Haïti, qui bon campé? À cet espace, Bichara Saint-Jean reçoit un homme ou une femme qui fait actualité. Monsieur Filimin, Clarence Humain, Premier ministre Evansman, Valérie Numa, Haïtien tout partout, Haïti besoin conscience nous bouleverser. On prend responsabilité, nous, à Bichara Saint-Jean, dans Haïti qui boit campé, c'est Haïti d'abord. Haïti qui boit campé, du lundi au vendredi, de 8h à 9h AM, sur Planète FM 97.7 et sur Facebook Live. Reprise, 7h, 8h PM. Société qui va balancer, si vous capez la différence. Primature, je dis. En pile monde pensait que Dr. Ariel Henry pas qu'à arrêter au-delà de 7 février 2022, Magadi qui position unie par rapport à question ça. Et puis Nagadé rebondissement qui gagnait dans dossier assassinat président Jovenel Moïse, puisque quand même que l'on veut ou non, ça libéral et Kimbe actualité dans façon parle. Merci à nous chaque qui est déjà avec nous matin pour émission Haïti qui va camper. Merci à Junior fait juste qui a assuré mise en ordre. Et merci infiniment à Jean-Clarence Renoir de cette commune disponible pour nous. Mon nom est Bichara Saint-Jean, déjà bonne écoute à tous et à toutes. Clarence Renoir, bonjour, un plaisir mon matin. C'est un plaisir pour moi avec vous. Bonjour Bichara Saint-Jean et bonjour tout le monde captain de Planète FM. Et bon, commencer à souhaiter ou même personnellement une bonne année 2022. Même si on hésite à dire ça, mais c'est une tradition à nous dire ça. Et nous souhaitons donc que l'année 2022 soit capable différent que l'année 2021 pour tout haïtien, toute haïtienne et à travers et 10 départements pays. On toujours dit ça et depuis l'année a commencé, me dit l'année 2022 est capable d'année délivrance pour Haïti ou bien l'année condamnation. Mais même plus penché pour me croire et travailler pour nous voir si l'année 2022 ça a année délivrance, même si nous allons commencer très mal. Ouais, dans ce sens, Nabdi Mounio, et bon, on va éclairer ce nom, puisque j'aimerais là son combat, une bataille de titans qui est annoncée. Oui, alors, nous avons ajouté tout la dernière, quand on a dit ça, nous avons pensé spécial pour mon grand sud là. Pour tout le monde dans le pays en général, le monde de tous côtés, parce que je dis assez 11 janvier, nous l'avons 12 janvier. 12 janvier 2010, c'est un gros tremblement de terre qui était saccagé le pays d'Haïti. 12 ans après, côté nous, c'est une question pour me poser. Moi, je pense que c'est spécial pour le monde dans le sud, là, toujours, grandance, côté nous, tendez, nous, velio dit, gagne un petit tremblement de terre qui a fait toujours, qui a mis panique sur le monde. 5.1, hier soir. Donc, ou tendez ça tout. Oui, le nom vive lui-même. Parce que spécial pour mon Dieu parce que nous pensons que ça c'est des traumatismes et des rappels de l'événement du janvier 2018 qui crée un pile peur, un pile traumatisme, un pile inquiétude là qu'il y a tout le monde. Ouais, tout à fait. Maintenant, nous allons parler Clarence Renoir sur la question et mandat sénateur. C'est vrai entre guillemets, nous avons dit son dossier qui censé clore dans la mesure où sénateur a bralé. Été et jusqu'en 2023. Quelle position unité gagne par rapport à la question mandat sénateur? Bon, position unité gagne, nous avons une position pour créer des compromis qui joignent entre 10 sénateurs qui étaient ou avec M. Ariel Henry. Parce que, en réalité, tout le monde connaît que le pays a une situation d'illégalité, d'inconstitutionnalité. Et pas un élu du tout. C'est seul le monde qui était là comme élu, même s'il n'y a pas rien à régler vraiment. Et la preuve, depuis 2 ans, M. Saoula, pas grand-qu'une séance dans le Parlement, pas grand-qu'une loi qui votait, pas grand-qu'une contrôle qui fait sur l'exécutif-là. Bon, c'est l'argent qui a touché seulement avec titre de sénateur qui ont même personnellement gagné, avec avantage que ça marche avec lui. Ouais. C'est pour le système démocratique, pour le pays. Il n'y a pas poté en canard, donc on a souhaité un compromis pour ne pas gagner un problème qui posait encore dans le temps toute qualité pour vague problème que nous avons là. Nous avons joué un compromis, hein, mais ça n'a pas empêché que nous continuer à poser des questions, qui ça aura le fait pendant l'année. 12 mois pour le vin, qui ça aura le fait? Bon, monsieur, tu as inventé des bagages que vous faites, qui vous a montré que, au moins, l'argent a touché à, yo, mérité touché. Et que, y a servi pays à quelque chose. Nous souhaitons vraiment que pendant 12 mois, c'est pas 12 mois pour le chita, puis où les machines de l'État jouent
dans tout avantage rien sans que yo pas réalisé. Et deuxièmement, faut nous poser cette question sur le système démocratique noir qui est endommagé et qui pas fonctionner actuellement là. Pas rien élu dans l'exécutif, pas rien élu dans le parlement, 10 sénateurs pas représenté par le parlement haïtien, 10 sénateurs pas représenté la souveraineté nationale. Yo t'es élu la plupart du temps avec quelques centaines, quelques milliers de voix. Ça va représenter légitimité populaire pour venir faire quoi que ce soit avec 10 moun. D'ailleurs, lui, pas normal. Pas de gagner 10 moun seulement dans le Sénat, plus 127 députés à peu près, qu'on pas gagner tout en place. Donc, le Parlement n'a pas fonctionné. Ouais. Et pas gagner élus locaux. Donc, pays a nos dysfonctionnements institutionnels et démocratiques, nos besoins que nous tournons dans la démocratie et dans l'institution, lorsque il y a une élection et qui va faire pour le peuple choisir le monde. Parce que le peuple, c'est lui-même qui est moteur de démocratie. C'est lui-même qui l'huile la moteur de démocratie. L'elle vient voter, l'elle décide, l'elle choisit le monde. Mais évidemment, la rétention parle de ça. Il faut le faire de bon choix, il faut le faire de meilleur choix. Ouais, vous parlez de compromis, mais pour qui ça, c'est compromis? Est-ce que quelque part, il y a un mandat qui n'est pas fini ou bien qui ça? Écoutez, il y a plusieurs considérations. Même considérations qui vont pour sénateur là, pour 2022 ou 2023. C'est l'idée vaut pour président Jovenel Moïse pour, concernant 2021 ou 2022. Ouais. Vous pensez que ça c'est des problèmes qui posent, il faut définitivement nous résoudre le problème ça yo, pour que l'interprétation de loi yo pas créer plus confusion. Chaque monde a pris de l'instant par yo, est-ce que le mandat fini vrai, est-ce que le mandat pas fini, etc. Vous pensez que la crise que nous avons traversée aujourd'hui là, depuis sous président Jovenel Moïse, arrivé sur le terrain du Parlement, il offre une opportunité pour nous rebattre quatre là. OK? Ça fait mener année des livres ensemble capable. Pour nous rebattre quatre là pour que nous poser règle définitivement pour nous dire mais qui j'en ont pas le marché. Et le ça, pour moun pas venir prétexter, ou pas dire que c'est mandat qui va le finir, ou pas dire qui côté il était commencé, etc. Tout bagage ça. Il faut que, dans la nouvelle élection que nous allons faire, clairement nous dit que, au mandat commencé telle date, la fini telle date, pour tout le monde, pour le ça, pas gagner tout chirépide, virer, que nous avons fait là, nous mettez plus crise dans crise qui est de gagner. Ouais. Alors, débat, c'est, l'été agité, surtout, dans le cas de Dr. Ariel Henry. Par exemple, on est comme André Michel, qui fait, sortir tweet li, pour annoncer départ et, tiers sénat, etc. Mais il y a deux mouns qui viennent rendre compte que Dr. Ariel Henry vient obligé, faire bac, parce que, on dit, quelque part, c'est président Jovenel Moïse, qui était nommé. S'il d'accord que président est nommé, il est d'accord dès le départ que président mandat pas là fini 7 février 2022 et gon logique qui voulait que le président finalé toujours gon tiers sénat qui était. Oui, et de toutes les manières. Prise de position yo, c'est des prises de position qui fait dans monde qui gagne avantage à défendre d'un côté comme de l'autre. Mais nous-mêmes dans uni, on t'a cherché défendre l'intérêt national. Nous dit qui ça cap plus bon pour pays. Donc depuis 4-5 ans, Michel Saint-Jean et en pile fois je vous remercie de vous offrir une opportunité pour me parler sur Planète FM. Nous toujours le même discours. Nous disons un dialogue qui vous sauve le pays. Nous disons qu'il faut mettre tête ensemble pour joindre des compromis politiques. Compromis politiques, là, c'est plus belle bagarre que la démocratie à tout le monde. Lorsque la loi n'est pas appliquée, lorsque on a des difficultés pour appliquer la loi, ça faut s'allouer dans le pays. Je ne veux pas dire là. Compromis politique, là, c'est bagarre qui montre grandeur d'âme. Qui a gagné entre monde qui opposait l'une avec l'autre, mais au cachet ensemble, ils discutaient et ils joignent, on agrément, quand vous voulez là, et ils joignent au compromis. Donc, si ça nous-mêmes nous apprenons, soit prendre position pour l'une ou pour l'autre. Parce que, comme je dis dans ta l'heure là, on est en situation d'inconstitutionnalité, côté personne n'est légitime sur le pouvoir. Le ministre Ariel Henry n'est pas légitime sur le pouvoir. Le premier ministre, c'est vrai, mais pas jamais passé devant le Parlement pour le sanctionner. Donc, vous comprenez, ce n'est pas normal. Donc, lui-même, tout qu'on y a, il n'y a pas qu'à paraître un groupe pour dire, alors, il est le Sénat chrétien. Il est le Sénat lui-même, tout ça, l'a fait là, parce qu'on s'est marié. Donc, c'est un compromis qui est capable de permettre que Bagalao avance. Maintenant, vous avez un pile rumeur qui dit, voilà, vous allez, il y a un monde qui a encouragé, vous allez, ça, pour des raisons politiques, personnelles, n'avantage pas, nous-mêmes, nous pensons que si ça peut permettre que le pays connaît un moment de stabilité et que nous allons commencer à faire l'élection là bientôt, eh bien, ça va permettre que définitivement, sénateur ça en fait l'année 2022, il va aller. Parce qu'il faut que le deuxième lundi janvier, il va arriver vers 2023, c'est l'autre monde qui va entrer dans le Parlement et que mon mandat est fini. Ouais, le sénateur Joseph Lambert a annoncé que l'année 2022 est supposée une année électorale, mais ça arrive. L'autre et reste sénat qui était là, ou prend Dr. Ariel Henry, il y a un bagage support et populaire, et c'est ça qui expliquait que il y a un bagage qui a agi au nom de population. Tout à fait, ça me dit, il y a une légitimité populaire,
il va passer dans une élection vraiment. Et même légitimité que sénateur ou gagne, son légitimité, m'ta capable de dire, qui chiffonne, qui prend pile pour, qui gagne pile bout sous lit, tout le monde connaît dans ses conditions élection faites, il y a des gens qui sont élus avec des dizaines de voix, plus dans l'autre, etc. Donc, fragilité question fait que ça geste de guider Mounio, la décision qu'il apprend, au lieu que ces groupes ont été à port de force, qu'il y a mis des gens pour Mdagado, il va mobiliser Mounio dans la rue pour casibiliser, pour qu'il puisse conserver en force. Maintenant, comme d'hab dit, légitimité à ce peuple-là qui baille. Ouais. C'est lors de l'élection où capable d'une légitime, peuple-là est lourd, et nous besoin justement retourner en légitimité ça, parce que je dis à pays a pas dans légitimité constitutionnelle. Les pays a son pays qui a dirigé avec des mots qui n'ont pas gagné en qu'un an à régler de sérieux pour nation, hein, que pour tête paille, que pour fonds politiques paille, eh bien nous besoin retourner en légitimité ça. Mais encore une fois, attention, mise en garde moyen, c'est que peuple-là, pour faire des choix différents que ça qu'on a habitué à faire, pour regarder qui est-ce qu'on a voté, pour pas voter même mounio encore, pour nous retourner, parce qu'il y a même problème ou aggraver problème. Ouais, tout à fait. Maintenant, on nous regarde, car Dr. Ariel Henry lui-même, parce que il y a deux mounes qui déjà clair sous position par rapport à cas Dr. Ariel Henry. On dit que l'on veut ou non, c'est président, tout au moins ancien président Jovenel Moïse qui était choisi Dr. Ariel Henry pour que l'ITVIN fait office de premier ministre. On a dit par exemple, mandat président Jovenel Moïse tape censé finir entre guillemets 7 février 2022. Qui possibilité qui gagne pour que Dr. Ariel Henry aille au-delà de 7 février 2022? Belle question, Bichard. Possibilité qui gagne pour aller au-delà de 7 février 2022, c'est capacité li pour joindre un accord avec tout secteur politique là yo pour que yo créer stabilité qui va permettre que 7 février a pas une date fatidique pour pays a. Parce que effectivement l'offre en réflexion logique si le président de la République a quitté le premier ministre et mandat fini et le mandat premier ministre fini tout cependant premier ministre ne doit arrêter dans tête au gouvernement provisoire ça arrive déjà dans pays a faut que nous rappeler lui pour que élection faite dans 3 mois. Ouais. Tout à dit, élection faite dans 3 mois à partir de février 2022, mais nous, les conditions n'ont pas réunies. Ouais. Pour capable permettre que, parce que la Constitution a dit, c'est 90 jours jusqu'à 120 jours pour faire élection, pour que élu soit capable de retourner dans la place. Donc, premier ministre Ariel Henry, il y a devant là, moins qu'un mois, pour chercher, je vais nous accord avec tout le monde. Et il y a deux nouvelles qui sortent, que m'a partagé avec vous là. Et nous-mêmes, nous sommes toujours à boum pour ça. Ouais. Bon, première nouvelle qui sortit qui dit que, mon accord Montana rejoint ou en tente avec mon accord Peño. Mm-hmm. C'est-à-dire, ils ont peut-être ensemble pour le faire seul. Donc, je vous dis, à l'évine plus facile, pour que le ministre a négocié, discuté, dialogué avec le groupe ça, et lui-même, accord en septembre, hein, puis ouais, qui sont capables de joindre, c'est-à-dire, nous penser, que dans un mois là, on va avoir un nouveau remaniement ministériel. Est-ce que c'est Ariel Henry qui a pris comme premier ministre baronnet? Est-ce que la bon président avec lui, ça va dépendre de sa négociation au Galbaï? Mais c'est sûr que, on va gagner un nouveau gouvernement qui est prêt à prendre place après 7 février et qui a sauté dans un accord politique qui joigne à différentes forces là. Ouais. Deuxième nouvelle qui sortit et son initiative reliée, ou gagner un sommet, ou le sommet de l'unité haïtienne qui a fait dans la diaspora, qui m'a dit tout le monde qui est d'accord, viens chita ensemble dans Louisiane pour nous discuter pour nous un accord final. Eh bien, c'est une démarche louable que nous-mêmes nous encourager. D'ailleurs, ils ont invité moi-même qui a parlé avec Ola comme dirigeant parti politique unir pour m'aller participer dans ce sommet ça. Même ça avec plaisir que je vais participer là-dedans pour me porter le même discours que je porte à toujours pour nous capables accepter ce dialogue, accepter la différence, en garder intérêt pays. Ouais. Et troisième nouvelle là, pour me finir tout ça, c'est que Américains ont surtout communiqué là hier, pratiquement en tweet, pour ce côté où ils disent, ils ont parlé avec Montana, ils ont dit qu'ils ont rencontré avec Ariel, puis ils ont besoin de nous une solution unifiée à la crise là. Mm-hmm. Donc on sait que toute démarche là, ça nous permet que cette février là, nous éviter un gros désordre pété dans le pays là, lorsque il y a des gens qui vont contester légitimité. Et Ariel Henry en place là parce que mandat le pral fini selon terme mandat présidentiel journalement. Ouais, mais de façon tacite, Jean-Clarence Renoir,
le par exemple ou expliquer que gagner un accord qui joigne entre mon accord Montana et Peño, mais ça vient davantage fragiliser docteur Ariel Henry. Raison très simple, puisque mon ça va jamais n'a affaire docteur Ariel Henry, puisque il était d'accord que accord lui-même il était joigne dans accord en septembre, il pas de kakembe. Oui, effectivement, mais encore une fois, c'est pour nous éviter confrontation, oui, qui fait, c'est pour nous éviter affrontement, qui fait, moi, penser que, yo, personnellement, pas de raison, et yo, pas de temps. On pas qu'à dire, pas, il n'y a pas bon du tout, c'est Montana qui est bon. On pas qu'à dire, pas Montana, c'est lui-même qui est pas bon, pas peine, c'est, non. Faut que nous jouions un compromis, c'est-à-dire qu'il faut nous perdre nos prétentions et ambitions que nous avons chaque côté, pour nous joindre, ou dans la mise en route. Maintenant, pour la réalité que nous avons là, réalité que nous avons là, Bichard à Saint-Jean, c'est plus pour le ministère, il y a la Félix au pouvoir. Félix Thomé est chef de la police, la marche rencontre les policiers au lieu de l'Eosley, lui mettait ministre de défense, ministre de l'Intérieur, ministre de justice, tout côté. Donc, c'est-à-dire que je vous mets ministre au pouvoir, je ne veux pas là. Si on peut faire un bagaille pour dire, ou même mes présidents pour, mes premiers ministres pour, non, mais qui peut on l'installer? Qui j'en peux l'installer? Nous avons des tentatives qui étaient faites déjà. Ouais. Sénateur Joseph Lambert s'est dit qu'il était serment, il était invité à la presse, mais il n'a pas réussi à faire. Oui, pendant trois fois, ici. Donc, tout d'abord, ça a fait qu'une réalité, il faut garder l'en face, pour dire tout. Est-ce que nous allons déclencher la guerre civile pour malgré le pouvoir, ou bien que nous allons déclencher un dialogue, nous allons déclencher des négociations pour faire un compromis. Nous-mêmes, dans l'Union, nous partisans de dialogue, donc nous partisans de compromis politique qui peut permettre que nous débouchions sur effectivement. Année électorale 2022 qui est nécessaire pour nous retomber sur deux pieds, pour nous dire deux, mais c'est trois pieds démocratiques, nous, pour que bon exécutif, bon parlement et bon système judiciaire soient en place pour faire travailler la démocratie à manifester en faveur de la population. En nous gardons quatre figures, Jean-Clarence Renoir. On a dit par exemple que 7 février 2022 est arrivé et pas de temps qu'on accord qui joigne entre différents protagonistes. Maintenant, qui Jean Savral passé, est-ce que quelque part docteur Ariel Henry lui-même, étant donné que les gagne force répressive là entre guillemets namel parce que c'est lui qui sous pouvoir connait, est-ce que monsieur Walkembe pouvoir ou bien qui Jean va le faire par exemple pour que au-delà du 7 février 2022 nous contraigne docteur Ariel Henry quitter pouvoir? Moi-même mais ça moi et mais ça me va souhaiter. Moi souhaiter que vivement nous chita parler pour joindre un accord avant 7 février. Avec tout l'autre secteur qui gagne pour position sous table. Peine, Montana qui joue à fond seul, et bien l'autre accord la rue, accord ceci, cela qui gagne, faut nous joindre un compromis rapidement avant 7 février 2021. Parce que imaginez, un jour 17 février 2022, mandat et Ariel Henry fini, puisque mandat Jovenel fini, et puis Ariel Henry vire de l'aller. Qu'est-ce qui va le courir entre prendre parler avant l'autre là? Ouais. Donc, ou alors, course qui peut le faire pour dire, moi-même, si je ne peux pas l'entrer avant, je vais courir chez la primature là, je vais chez la palais, je vais pouvoir. Il va le contester. Donc, pour ne pas arriver dans le chaos, ça, déjà dans le chaos, déjà, mais pour ne pas plonger plus fond dans le chaos, ça, toujours, et qui tape déboucher sur n'importe quel bagaille catastrophique pour le pays, là, eh bien, moi-même, moi, vivement, et souhaité que, donc, compromis qui joigne avant 7 février 2022. Si ce n'est pas ça, nous allons enfoncer notre crise là, toujours, et le ça, ou pral gagner des tentatives qui pral faire pour chaque groupe penser que c'est eux-mêmes qui gagnent raison, ils vont chercher à sauter pouvoir, chaque monde va chercher mettre neuf sous pouvoir pour prendre, ils vont derrière en lui, pas bien légitimité, mandat journal l'a fini tout bon, et c'est vrai, donc nous encourager comme on compte jouer dans différents acteurs. Maintenant, ça, c'est comme ça, et ils gardent des questions. Il y a des gens qui comprennent que, étant donné que la majorité des gens, par exemple, qui ont occupé l'ARIA face à président Jovenel Moïse, je dis qu'ils ont changé de camp, c'est eux qui sont censés dans Dr. Ariel Henry, ils ont occupé l'ARIA dans la façon par eux, organiser manifestations, etc. Maintenant, on dit que Dr. Ariel Henry lui-même a décidé d'aller au-delà de 7 février 2022. Besoin garder qui gens nous allons contraindre par pouvoir puisque monde qui est censé occuper l'arrière ou même y en a deux monsieur Rounia. Oui mais moi même nous contraindre par pouvoir bah on est ici on force au monde qui camper en face de l'autre qui va le contraindre par pouvoir mais songez la veille 7 février 2021 nous parlons même genre nous pas dire mandat journal fini 7 février ouais pas ouais faut aller à qui force on va le faire aller. Donc je vous dis à la même question posée. Avec qui force ou va faire Ariel Henry aller. Toute force ou va faire aller sont force de compromis politique, mais ça, qui compromis en joigne, bon accord qui signe, tout participant, 11 septembre là, dans le Pen là, dans le Montana là, dans l'Union là, dans l'autre encore qui dit,
7 février 2022, eh bien, le premier ministre Ariel Henry va aller, mais tel monde qui va aller remplacer, et tout le monde d'accord sur le remplacement ça, c'est pas ça nous fait, nous allons tomber dans la bataille l'une avec l'autre. Effectivement, il y a des gens qui courent Ariel Henry, je ne veux dire là, qui oubliaient, ça a été compris comme position publique, sous question mandat 7 février 2021, bien 7 février 2022. Ouais. Allô, allô? Oui, oui. Ok, nous avons un problème avec le téléphone, non, oui. Ouais, parce ouais. que tout simplement, c'est des intérêts personnels et de particuliers à défendre. Donc, moi-même, je pense que ce n'est pas la meilleure attitude là pour nous gagner vis-à-vis de problèmes qui viennent dans le pays. Ce n'est pas forcer Ariel Henry à aller 7 février ou forcer le rester après 7 février. C'est jouer un compromis, hein, faire concession nécessaire yo, pour nous capables d'éviter le pire à Haïti. Bon, vous fermez avec cadre figure ça et Jacques Larrinsoumoi. Maintenant, on dit que l'on veut ou non, et au fait que Tire Sénat arrêté, entre guillemets, il y a eu d'agadi un petit crasse légitimité tout le monde gardé. Est-ce que maintenant, on dit docteur Ariel Henry décidé, 7 février 2022, il décide de quitter le pouvoir, puisqu'il dit, ah, comme c'est le président qui était nommé, madame la présidente a fini 7 février 2022, pas un problème, moi-même, moi d'accord, bah, le pouvoir. Maintenant, qui position unit a gagné si, par exemple, le pouvoir, il aurait mis à Sénat? Écoutez, c'est constitution pour nous garder. Pour nous garder qui sa constitution en dit. Et c'est là où toute complication politique là, est là, je ne veux dire là. Bah, pouvoir, c'est là, il y a un autre monde qui va le contester, que c'est pas là qui a autorité, parce que la constitution n'a pas dit que c'est là pour prendre pouvoir. Et la constitution, là, l'article 149, il y a, bah, l'autre piste de solution que nous devons joindre. Pour, lorsqu'un président absent, pour raison de maladie, pour raison de la mort, et pour raison de tout facteur qui a fait l'absent, eh ben, nous, loin de solution, ça, je veux dire, là. Donc, forcément, c'est un compromis. Mais, le président, c'est n'a pas commencé comme ça pour dire, même c'est le président de la République, une fois que cette théorie est arrivée. Donc, définitivement, nous avons une obligation, nous avons tout dans la politique qui va demander que les vrais Haïtiens, monde qui gagne sensibilité pour le pays, ça, monde qui parle le pays à tomber dans plus chaos pour éviter plus crise, eh bien, nous devons faire une concession nécessaire pour faire. Si ça fait moi penser que c'est avant 7 février pour qu'on compromis ça fait. Mais ça pour le clair à tout le monde. Si c'est président Sénat, si c'est Sénat, il va le pouvoir, si c'est un triomphe, il va le mettre. Si c'est un CNG, une forme de CNG qui va le mettre, si son juge va le mettre, que une grande décision hein, avant 7 février pour tout le monde, clair pour tout le monde, et puis laisser ça pour passer en fait en douce, pour passer 7 février à mon gars le gouvernement, chaque monde va essayer de déclarer tête au président ou le ministre, et puis laisser ça, on va tomber dans une cacophonie, on va tomber dans une caboulatia, pour faire le pays avec plus mal que j'en viens. Ouais. Maintenant, bon, essayer changer de Kazakh et Jean-Claude Chouna, bon, essayer adresser ma journaliste là dans le rebondissement qui gagne dans le dossier président et Jovenel Moïse. Regardez ouais, un ensemble de arrestations qui fait dans le dossier Jovenel Moïse, il a arrêté Odolja qui lui-même et fait certaines d'agadi concessions et aveu, regardez par la chose sur chaque yo bay version par etc. Qui j'en comprenne d'où c'est ça? Est-ce que nous sommes pour que nous disons pays a abjoué une justice, entre guillemets, ou bien ancien président Jovenel Moïse gagne et possibilité de une justice, Jean Dossier va avancer? En tout cas, révélation qui fait dans le New York Times, là, c'est un scandale énorme qui éclaboussé en pile secteur, en pile monde dans le pays. Et Bichara, on met quoi moins? Justement, on parle de journalistes. Premier analyse journalistique que nous capable de faire, c'est que pour aller plus, non, nous toujours qui parle sur le dehors, puis devant, il y a l'autre article toujours qui parle sur le qui parle faire des révélations encore plus graves sous ce qui passe là. Bon, pour les Haïtiens qui dit complot qu'il faut passer au Wanda. Ouais. T'as crié Jovenel Moïse 7 juillet à son gros tonton à douleur complot qui fait, qui impliquait plusieurs secteurs mounadins, autant de gens l'argent, autant de gens qui sont étrangers. Et pas autant de, c'est un fait. Par la chance, c'est étranger. Colombien qui est en prison ici, c'est un étranger. Américain que, haïtien américain qui est aux États-Unis, c'est un étranger. Haïtien ici. Et Jacques, qui c'est un être d'origine palestinienne, etc. Donc, bon, gros complot qui fait, et qui vient pile l'autre petit dossier, gros dossier dedans, drogue, graphique, toute qualité, qui montrait que 7 juillet, c'est pas une simple bagaille qui fait,
mais c'est aboutissement un gros complot. Maintenant, révélation New York Times, ça a montré nous de jour en jour à clair qui est ce monde qui est derrière tel bagage. N'est-ce pas que les gens ont évité de contribuer 130 000 dollars? Ouais. 130 000 dollars, c'est pas lui-même seulement qui a contribué. Ouais. Probablement, puis devant, nous allons dire l'autre monde qui est là, l'autre cob. Il y a l'autre révélation qu'on va le faire toujours d'ailleurs par la science pour aller parler devant le juge le 31 janvier quand il y a. C'est-à-dire, au monde, mettre patient. Dans 20 jours, on va le compter plus de bagages toujours. Probablement. Ouais. J'ai demandé, puis on mettait les transférés aux États-Unis. Et donc, ils prennent le parler, ils prennent le collaborer. Ouais. Tout bagage, ça a fait que nous, on a une république à scandale qui montre que il y a des gens qui sont dans le pouvoir, il y a des gens qui sont dans la police, il y a des gens qui sont à l'étranger qui sont impliqués dans la question de crime, ça, qui fait contre l'ancien président. Il y a des gens qui sont proches du président, il y a des gens qui sont en mille. Feu Gabriel Fortuné était dit par un ennemi qui mangeait encore une fois, etc. Donc, tout le monde a été sorti de l'eau et tout le monde a fait plus scandale toujours. Mm-hmm. Le public a scandale là, qui s'en voulait dire par lui-même. C'est que je vous dis à la Bichara Saint-Jean. Nous, non, situation où côté monde qui a dirigé le pays, il n'y a pas digne de diriger le pays. Mm-hmm. Parce que si on a des gens qui ont des articles, nous avons des explications pour eux. Que ce soit répondre à la presse là, qui fait l'article là, sauter à priori, dire les positions par eux, ou bien faire devant la justice. Oui, il n'y a pas fait silence et n'a pas ça parce que silence n'a pas ça qu'à voir qu'à défaire. Mais maintenant, on nous garde, non? On dit par exemple, moi, ouais, et il y a une révélation que Rodolphe a fait. Monsieur expliquait que Badjou, pour le sauver, il était contacté par le Premier ministre et le Premier ministre a dit, monsieur, ballon titan pour que le placer quelques appels. Le, au garder ça, qui sort dit, est-ce que Dr. Ariel Henry a sous pouvoir à partir de ça? Ou bien, faut aller venir par élément d'explication, Bal? Je crois qu'il y a un élément d'explication pour le bail. Il n'est pas capable de faire silence sur question ça, comme premier ministre PIA, comme pire dirigeant PIA, Jean-Jodiata, en l'absence d'un président de la République, on n'est qu'à faire conseil des ministres, on n'est qu'à, dans toute décision, non, pas capable de plomber comme ça. Et me songer que, après crime, non, et il était parlé dans une radio ici, il était parlé dans la presse internationale, tout, lui dit le pas changer c'est qu'il parlait avec monsieur Saha Badjo. Deuxièmement, il était dit l'icône Badjo, Bako Badjo a fait un crime pour ça, etc. Donc, je pense que meilleur bagage là, il faut répondre de manière formelle et officielle. Et je suis capable de dire définitif. Pour lui dire qu'il s'en connaît, qu'il conversation. Parce que l'article là, le plus loin, l'article là dit que monsieur visitait Badjo, visitait le premier ministre la CAIL à deux reprises au moins après le crime là. Donc, écoute les explications qui coubaillent. Et c'est pas seulement le premier ministre Ariel Henry. Chef de la police actuelle là, semblait être au courant selon l'article. Ouais, monsieur, t'es là pour les deux jeunes hommes. Monsieur Elbit a répondu à une question sur ça. Mm-hmm. Pour le dire, si ça le connaît de bagaille ça, à côté de l'homme non là, est-ce que l'a démenti lui? Ancien chef de la police, là, lui-même tout non, c'est l'homme. La question, il y a un rapport avec Mounayo, Léon Charles. Il démenti, on parle de la déclaration ça. Donc, nous, c'est de révélations scandaleuses à révélations scandaleuses. Qui montre nos crédibilités et autorité nous y en jeu, je dis à l'art. Mmh. C'est déjà un jeu déjà, oui. Ouais. Mais je dis après comme ça, au vin ou elle piquerait toujours que mon aïe, y'a pas sérieux, y'a pas digne pour diriger le pays. C'est tout ça que je me dis dans le commencement, interview avec Bichara Saint-Jean, que électeurs nous y ont, puis y'a gardé bien plus qui est sur l'élu dans l'élection calvina. Nous ne pas tomber dans le même cas que vous toujours, pour l'avoir élu des mondes qui sont pas corrects, des mondes qui ont des dossiers de drogue dans l'autre coup, ou américain vient là, les prêts, là, avec eux. Mais comme ça, c'est pays qui drapeau pays qui passe en bas pied. Lorsque il y a des citoyens haïtiens que nous appelons, mais comme ça, dans des crimes qui fait, même si c'est crimes en Haïti, mais qui y a un rapport, les films, c'est à l'étranger ou quand juger. C'est pas en Haïti. Ça montre une faiblesse du système judiciaire noir. Donc, il n'y a pas de bagaille qui sont faites pour nous nettoyer pays ça. Moi, un peu fort, mais il faut que pays ça joigne une façon pour que nous retirions sur nous au propre qui vient sous pays, à l'iniquité qui vient sous pays, à, pour que pays, ça, vienne prendre une autre direction à partir de l'année 2022 à l'élection à fait, pour que nous prenions avec des dirigeants qui ont plus dignité, plus crédibilité, plus honnêteté, qui pour prendre un pays, ça, pour nous sortir dans sa nouvelle. Bon, mais c'est attirer attention, et je trouve ça, et Jacques Larrinche Renoir, on dit, non, et révélation que Rodolphe a fait, il n'a pas monsieur expliqué qui fait que lui-même il participait dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Monsieur expliqué que le président a commencé à venir arrogant. Au monde qui a interprété ça, il doit juste dire c'est un ensemble de monde
D'accord, le président gagne certaines redevances envers eux, mais le président vient tellement pas gagner respect pour le monde. Et le monde ça vient sentir que il est vexé, il veut passer à l'action. Vous avez interprété comme ça? Oui, son interprétation que vous faites, mais de toutes les manières, un citoyen pas gagne droit estimer que le président vient arrogant et pour le tal, il va l'assassiner, il va mettre corps pour faire complot pour jeter. Un président de la République doué au monde que ou gagne respect pour lui ou qu'il a un désaccord avec lui. Mais ça va arriver dans notre complot pour assassiner. Il est clair que le président Jovenel Moïse a un entourage qui est capable de dire, un entourage qui est clair. Il y a un article New York Times qui est sorti déjà, qui montre le président en pile d'amis que tu gagnes, en pile de partenaires que tu gagnes, tout le monde qui est dans le trafic de drogue, c'est des gens qui gagnent des dossiers de vendus et aux États-Unis, etc. Malheureusement, pays a ces salles choisi comme c'est mon salle choisi comme président. Et c'est là pour nous chercher où résoudre le problème. Nous, pour ne pas quitter des mondes qui viennent trouver dans la manche comme ça, arriver dans le pouvoir, que ce soit au Parlement, que ce soit à la présidence ou dans l'autre fonction toujours. Et président, tu gagnes des rapports tout avec des mondes qui te battent le corps pour faire élection, pour être élu, et mon ça va faire des exigences. Tu as effectivement trouvé une arrogant qu'on y a là. N'est-ce pas que dans l'article New York Times, ça a été dit que première dame n'a pas dit, monsieur, c'est chose non liée, c'est business non liée, c'est accès non liée, c'est propriété non liée. Donc, c'est un monde non liée quelque part. Donc, bon paquet de bagailles qui montrent que exercice pouvoir, c'est une, mais entrer dans le pouvoir, il faut que nous entrions le plus propre possible. Ça, nous devons faire pour ça. Et ce n'est pas parce qu'on a besoin d'élu président que tu es obligé de faire tout ça qui est négatif, qui est tout ça qui n'est pas bon, qui est pour qu'arrive le président. Moi-même, si je me reprochais déjà sans doute sur l'antenne, planète FM avec vous, mais un monde qui est candidat à la présidence ou bien comme sénateur, ou pas capable de poster photo avec des bandits que la police a cherché, qui fait crime enlèvement, qui fait crime tout le monde. Parce qu'au besoin du président, non, ça pas possible. Il faut que prestige poste là, demander que au bon parcours exemplaire pour venir chercher une responsabilité ça, et pour l'origine, pas une redevance avec envers qui que ce soit. Et puis ça qui a passé aujourd'hui là, que un simple citoyen décidé la mettre 130 000 dollars dehors parce qu'elle pensait que le président soit arrogant qu'on y a là, il ne parle pas des mondes, il ne parle pas respecter les mondes, donc il va faire monsieur payer Bouchli. C'est parce que tout simplement, il était bon accord avec lui au commencement, qu'il va respecter, qu'il fait chercher faire règlement de compte ça. Donc, ça doit être nous des leçons pour nous tirer. Et ça, moi, m'a poussé tirer là-dedans. C'est des leçons à tirer sur cette matière là pour que moi-même, tout comme mon qui a envie de diriger le pays, il y a un candidat, je vais prendre un combat pour l'autre, mais moi, je vais finir pour empêcher de me diriger en faveur de peuple là pour venir trouver arrogant. Le président est le président de tous les Haïtiens et notamment des plus pauvres, monde qui n'a plus nécessité, mais il faut agir en conséquence pour améliorer monde qui est dans une situation plus difficile là-haut, pour améliorer la situation mondiale, pour que le pays n'ait pas un fossé qui gagne, un petit groupe monde qui gagne tout le bagage là-haut, et puis une majorité qui n'a pas gagné là-haut. Ça, à mon avis, il faut que le président ait plus d'indépendance, il faut que le candidat ait plus de capacité pour aller dans l'élection, à parler avec le peuple, à demander le vote pour monter l'argument, monter le projet, mais pas à prendre l'argent dans le monde. Pour que l'origine président, pour qu'il y ait plus de liberté pour agir en faveur et en bénéfice de cela. Nous avons un scandale là déjà, mais c'est vrai qu'un peu de monde a pris l'arrestation Badjou, John Joel Joseph. Mais dernière question pour que nous refermions Clarence Renoir. Et souvent, c'est Jean Doucier a avancé là, Jean Enquête là a avancé, Jean FBI est entré dans le dossier américain, entré, etc. Et souvent, c'est nous mettons à attendre une sorte d'implosion, une sorte d'explosion de l'ABIA. On va loin de lui même, non? Bon, ce sont une très belle question que vous posez. Il se trouve que c'est malheureux que c'est la presse étrangère qui a banni l'information. La presse nationaliste n'a pas fait travailler ça. Mais en même temps, tout, nous gardons justice là-tout. Il se trouve que justice a fait à l'étranger la fête, c'est pas en Haïti que la fête. Parce que le système judiciaire noir. Nous montrons pas capables. Il est trop corrompu. Il est trop faible. Tout le bagage ça. Moi, je pense que nous allons aller de plus en plus vers des scandales. Pour avoir des noms encore qui vont le révéler. Ça va vous dire pourtant que vous avez une justice qui va le faire, parce que vous avez un pile de temps pour réaliser un procès, pour permettre que le monde soit accusé ou défendu. Par exemple, si vous procès pour Ariel Henry vient parler, pour LB vient parler, pour l'autre encore vient parler, ça va prendre un pile de temps pour jouer une justice véritablement. Mais je vais regarder là avec un pile de tristesse que nous sommes incapables nous-mêmes ici là pour nous faire travailler ça pour nous, de l'autre côté, nous faire. D'où nécessité qui vient être. Pour que, un, nous mettons ensemble dans compromis pour nous résoudre le problème, deux, pour que y ait sécurité qui est établie pour l'élection à la fête dans le pays, et dans l'élection qu'a fait là, pour que le peuple a choisi, monde qui a plus intégrité, monde qui a plus moralité, monde qui a plus honnêteté pour diriger Haïti.
Merci infiniment, Jacques-Laurent Chounois. Bonne journée. Bonne journée. Merci encore une fois. Bonne année, meilleur vœu à tous. Voilà, mesdames, messieurs, c'était avec nous Jean-Clarence Renoir, président du Parti Uni, c'est avec le matin. Nous avons réfléchi sur l'actualité, mais et nous avons un scandale. Ok? Nous avons un scandale, un petit scandale. Et le. Vous regardez, révélation au Dolgeau, mais vous dites tout, et vers qui ça nous allait, en définitive? Vers qui ça nous allait? Le cité non et PM Ariel Henry par exemple que Badjou te contacté pour aider sauver et que docteur a répondu que à la placer quelques appels au cas vous étiez tout question dans la mesure où ça a révélé vrai. OK, si ça a révélé vrai, mais nous attraver. Il y a aussi des noms actuels et DGA, ok? Et monsieur, il y a une responsabilité pour que l'idée de jeunes âmes, etc. Ouais? Donc,